Bienvenue mesdames et messieurs sur Congo Live Télévision, samedi 25 février 2023, dernière émission pour cette semaine. Nous recevons M. Placide, militant de la Lucha, activiste des droits humains. Placide, bonjour. Oui, bonjour messieurs les journalistes et merci beaucoup. Vous allez bien? Nous ne saurons pas dire que nous nous portons bien, d'autant plus que nos compatriotes sont en fuite à cause de la progression de l'armée rwandaise dans plusieurs de nos territoires. Oui, là je cite directement nos compatriotes de Mushaki, de Karuba, de Mweso, qui sont en pleine fuite vers la cité de Saki. Voilà. Vous parlez d'une progression du M23 et leurs alliés, bien sûr. Qu'est-ce qui explique cette progression selon vous? Certainement, cette progression, pour nous, quelque part, nous pouvons dire que notre armée nous a trahis, donc nos FRDC, partant de toute la confiance lui accordée par la population congolaise. Parce que là, ça ne passe pas. Quand vous dites que l'armée congolaise nous a, bon, vous voulez confirmer, moi je voudrais les mettre en condition, on aurait trahi la population congolaise. Est-ce que vous ne voyez pas ces efforts, tous ces efforts déployés par cette même armée dans laquelle on a confiance, en fait, Oui, ce que je dirais, nous, population, nous faisons tellement confiance à notre armée, sauf que partant de nos attentes, les résultats sur terrain, il y a vraiment une grande différence entre les résultats sur terrain et les attentes de la population. Oui, c'est dans ce sens-là que nous disons que notre armée nous aurait déjà trahis. Vous savez, c'est la guerre. Là, on ne peut pas utiliser les termes, mais quand même, trahison, c'est fort quand même. Oui, c'est pourquoi, comprenez, le mal est profond. C'est pourquoi j'utilise vraiment ce concept en âme et conscience. Alors, depuis l'agression que nous sommes en train de connaître dans la province du Nord Kivu, l'armée rwandaise occupait la cité de Bunagana. Depuis Bunagana jusqu'à la porte de la ville de Goma dans sa partie ouest. Oui, donc là, je parle directement de Kichanga, oui, juste à l'entrée de Saki. Comprenez, c'est quand même pitoyable. Pourtant, la population a réussi à manifester ses sentiments de soutien. Vous comprenez? Donc, comme population, comprenez que la population, jusque-là, est en train de jouer convenablement son rôle. Oui, s'il s'agit d'apporter les soutiens matériels, la population a déjà fait ça. Nous-mêmes, les activistes des mouvements citoyens, nous avons aussi accompagné les discours du chef de l'État, faisant appel à l'adhésion massive de la jeunesse dans l'armée, nos FRDC. Les jeunes se sont donnés cette bravoure de rejoindre nos FRDC. Donc, à notre niveau, je dirais que c'est la population qui joue convenablement son rôle jusqu'à présent. Oui, alors, côté armée, c'est là qu'il y a vraiment des doutes. Et comprenez mon expression, vraiment, nous sommes tellement surpris d'entendre que l'armée rwandaise est en train de progresser, est en train de gagner des localités et villages dans nos provinces du Nord Kivu. Pour nous, partant de tout ce que nous sommes en train de connaître, nous disons que notre armée, quelque part, elle est responsable de ça, parce que nous ne cessons de dire qu'il ne faudrait pas compter sur tout ce qu'il y a comme résolution des différents sommets, que ce soit les sommets de Luanda, que ce soit les sommets de Bujumbura, que ce soit la récente réunion de l'Union africaine à Addis Abeba. Partout là-bas, ces gens ne font que faire appel au cessez-le-feu. Pourtant, nous avons dit que le cessez-le-feu, c'est une manière de fragiliser ou bien soit de restreindre l'élan
qu'avait déjà eu nos forces loyalistes et facilité maintenant l'ennemi de pouvoir s'organiser. Vous comprenez au moins? Donc, nous avons déjà compris qu'il y a un complot international qui ne dit pas son nom, et ce complot international utilise toutes ces organisations régionales qui sont ici en Afrique. Voilà, c'est dans ce contexte-là que nous disons vraiment notre armée ne doit pas se fier à tout ce qu'il y a comme résolution, surtout le cessez-le-feu. C'est ce cessez-le-feu-là qui est en train de nous pénaliser actuellement. Et voilà, avec le cessez-le-feu, l'ennemi, donc l'armée rwandaise, et avec à sa tête le président Paul Kagame, comprenez, ces gens ne sont pas en train de respecter tout ce qu'il y a eu comme résolution. Je me demande pourquoi nous, du côté congolais, sommes en train d'obéir à toutes ces résolutions. Pourtant, c'est notre pays qui est agressé, c'est notre intégrité territoriale qui est menacée. Voilà, c'est là où nous ne parvenons pas à comprendre vraiment l'agissement des différentes autorités politico-militaires de notre pays partant de cette agression. Donc on dirait que ces gens sont en train de prendre ça à la légère. Oui, vous avez évoqué également les points liés au cessez-le-feu. Nous avons suivi hier les porte-parole de l'armée congolaise au nord Kivu, monsieur, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjiko Kaiko, qui a dénoncé ce qu'il a qualifié énième violation du cessez-le-feu. C'est parmi les recommandations, bien sûr, des chefs d'État de la région. Comment comprendre cela? L'armée, c'est vrai, elle a dénoncé cela. Monsieur le journaliste, nous ne serons pas là en train de nous plaindre du jour au lendemain. Nous devons prendre les responsabilités en main. Notre armée, nous faisons tellement confiance à notre armée et nous ne cesserons jamais de les manifester. Qu'à cela ne tienne, en contrepartie, nos FRDC doivent vraiment réagir, doivent répliquer conformément aux attentes de la population. Parce que la population exprime ses besoins ultimes qui est de reconquérir nos territoires et recouvrer la paix que nous avons déjà perdue il y a de cela plus de 25 ans. Vous comprenez? Alors, dans tout ce que nous sommes en train d'entendre comme sortie médiatique du porte-parole de nos FRDC, vraiment, c'est tellement drôle. Nous savons très bien qu'il y a un complot. Alors, le cessez-le-feu ne nous arrange pas. Le cessez-le-feu n'avantage en rien la République démocratique du Congo. Et maintenant, il est question de ne pas céder, de ne pas se fier à ces genres de résolutions et fixer ou bien soit attaquer d'une manière directe l'ennemi qui n'a pas pitié de notre population. Nous devons changer ces comportements plaintifs. Nous ne devons plus continuer à nous plaindre. Dans son allocution, les porte-parole de nos FRDC, il a vraiment soulevé que c'est une énième violation des résolutions prises par les chefs d'État lors du sommet de l'Union africaine. Oui, c'est une énième violation. Maintenant, il faudrait que ça soit combien pour maintenant comprendre qu'il faudrait prendre les responsabilités de notre pays en main. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays comme la RDC, au-delà d'un pays comme la RDC, quand même, on sait qu'on est un pays souverain, on a une armée professionnelle, loyaliste. Est-ce que c'est normal que ces chefs d'État de la région demandent à une armée professionnelle et loyaliste de cesser les faits face à ce qu'on qualifie d'agression, bien sûr, d'une rébellion d'un pays? Du point de vue diplomatique, je dirais que c'est normal. Vous comprenez? Mais qu'à cela ne tienne, la diplomatie marche exactement avec une forte pression sur le terrain. Oui, parce que lorsque nous sommes fortes du point de vue diplomatique, là, ça ne rassure pas. Il faudrait aussi que cette force diplomatique soit accompagnée par une force de frappe militaire sur le terrain. C'est là que nous appelons nos autorités politico-militaires de bien jouer leur rôle. Parce que on ne sera pas en train de courir derrière tout ce qu'il y a comme théorie. Pourtant,
c'est nos territoires qui sont en train d'être conquis par l'ennemi. Ce sont nos populations qui sont en train de tomber victimes dans toutes les atrocités qui nous sont infligées par l'armée rwandaise. Alors, c'est dans ce sens que nous disons la diplomatie doit marcher avec la pression militaire. Alors, dans ce même contexte, nous ne pouvons que conseiller à nos autorités, recommander à nos autorités, surtout politiques, de pouvoir outiller convenablement nos FRDC afin que cette force loyaliste soit vraiment à mesure de mettre en déroute l'armée rwandaise. Vous comprenez ? Et qu'à cela ne tienne, l'armée aussi doit se comporter convenablement sur les champs de bataille, partant de sa prestation de serment, ok. Nos voyants militaires ont prêté serment de défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. C'est pour cela que nous ne voyons que notre armée. Nous ne pouvons pas compter sur d'autres résolutions, nous ne pouvons pas compter sur les forces étrangères. C'est pourquoi nous allons continuer à mettre pression simultanée sur notre armée, nos forces loyalistes qui ont juré défendre la patrie. Nous devons continuer à mettre la pression sur nos autorités administratives qui sont là à Kinshasa et même ici en province, juste pour que nous puissions obtenir gain de cause. Et notre gain de cause, c'est réouvrir nos entrées, c'est pouvoir chasser les rebelles jusqu'à les foutre hors du territoire national. C'est ça notre souhait. Revenons sur cette déclaration des États-Unis d'Amérique qui a demandé une nouvelle fois au Rwanda de retirer en tout cas ses troupes et de cesser de soutenir les M23 pour faciliter la mise en œuvre des différentes résolutions. Comment vous analysez encore cette nouvelle déclaration des États-Unis d'Amérique? Pour nous, cette déclaration, je qualifie ça d'une moquerie. Parce que nous ne parvenons pas à comprendre lorsqu'il y a beaucoup d'exactions commises par l'armée rwandaise en RDC. Il y a de cela plus de 25 ans. Mais il n'y a pas vraiment... Nous ne sentons pas cette implication directe des États-Unis d'Amérique. Pourtant, dit-on que c'est un pays partenaire à la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment une moquerie. Si on faisait une comparaison avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous ne sentons pas cette implication comme on pouvait l'attendre, soit comme on pouvait le souhaiter. Dans ce sens, nous disons vraiment les États-Unis d'Amérique sont en train de se moquer de la misère du peuple congolais. Et quant à nous, nous ne pouvons pas faire confiance en toutes ces déclarations théoriques qui sont en train d'être données. Oui, c'est pas seulement les États-Unis, il y a même l'Union européenne qui ont manifesté cette compassion hypocrite. Pourtant, nous savons très bien que en Afrique, je dirais, il n'y a pas de marché d'armes. Ce sont ces mêmes pays, ce sont ces mêmes organisations qui dotent l'armée rwandaise en armes et en munitions. Vous comprenez? C'est pour cela que nous disons qu'il y a vraiment un complot. Ils font partie de nos partenaires quand même. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des pays partenaires, mais hypocrites. Parce que lorsqu'il y a partenariat, nous devons sentir vraiment cette implication directe lorsque nous sommes partenaires. Mes problèmes doivent être vos problèmes. Mais c'est ce qui n'est pas le cas avec les États-Unis d'Amérique, avec la France, avec la Belgique, avec l'Angleterre. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous disons nous ne faisons pas confiance en toutes ces déclarations théoriques qui ne restent que sur médias, sur journaux, sur réseaux sociaux. Et comme vous évoquez également la France, on signale que le président français, Emmanuel Macron, est attendu à Kinshasa dans quelques jours, bien sûr, parce que c'est d'ici début mars. Qu'est-ce que vous attendez de sa visite, son séjour? Nous n'attendons rien. Nous n'attendons rien de sa visite. Un moment très critique, un moment tendu où
bien sûr, les affrontements, la guerre, les affrontements se poursuivent dans l'est du Congo entre les FARDC et les M23 aussi, qui est plusieurs groupes armés aussi. D'ailleurs, permettez, pour moi, il y a lieu de dire que c'est la France qui est le nœud de toutes les crises que nous sommes en train de connaître ici chez nous, dans la province du Nord Kivu, dans la partie est de la République. J'argumente ma position en disant, lorsque la France a voulu que les pays puissent commencer à se doter d'armes et munitions, elle a usé de son droit de veto lors du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que nous puissions obtenir des causes afin de lever l'embargo qui a été donné à la République démocratique du Congo depuis même l'époque de Mobutu. Donc, comprenez. Donc, si la France avait vraiment ses soucis d'aider la République démocratique du Congo, elle est à mesure de les faire. C'est pourquoi nous disons la France vraiment détient quelque part la clé de la résolution de cette crise que nous connaîtrons, que nous sommes en train de connaître chez nous dans la province du Nord Kivu. Partant de son arrivée, je recommande à la population kinoise de ne pas être distraite. S'il y a moyen de commencer à se mobiliser pour freiner même son arrivée chez nous en République démocratique du Congo, c'est le moment de le faire. Parce que nous n'attendons rien de son séjour, nous n'attendons rien de sa visite. Nous, ce que nous savons, peut-être il est venu se rassurer de tout ce qu'il y a comme coopération bilatérale entre la RDC et la France, et cette coopération n'avantage rien que la France, pas la République démocratique du Congo. Donc, selon vous, sa visite au Congo, ça ne change rien, ou bien ça ne changera rien, si je comprends bien, c'est ça? Vraiment, c'est un non-événement pour nous, le peuple congolais. C'est un non-événement. Est-ce qu'à Goma, parce qu'on vous voit toujours, mouvement citoyen, Lucha, RDC, Afrique, ainsi que Lucha, donc toutes les, disons, toutes les Lucha, donc tous les mouvements en fait, souvent hostile en tout cas à l'Union européenne, aux pays occidentaux. Comptez-vous faire quelque chose là dans ce sens-là? Parce que j'ai entendu vous appeler qu'au Kinoa, comme si c'est un combat des Kinois également. Souvent, vous, tout en ignorant que c'est à Goma, dans l'est du Congo, où se passent ces affrontements. Oui, je me suis adressé à nos compatriotes Kinois, oui, parce que ce sont eux qui sont dans la capitale. Et c'est là où même le président français va atterrir, comprenez? Donc, c'est pour cela que j'ai dit à la population kinoise de rester soudée. Oui, nous savons très bien qu'il y a cette cohésion entre la population de l'Est. Nous sommes tous Congolais. Et lorsque je m'adresse à la population kinoise, c'est parce que j'ai fait confiance à nos compatriotes. Et aussi, partant de la misère que nous sommes en train de traverser, sont appelés à nous aider, sont appelés à nous appuyer afin que tous ensemble puissions voir comment nous allons vaincre l'ennemi. Et partant de nos réactions à venir, nous comme mouvement citoyen, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à mettre la pression sur notre gouvernement parce que nous ne comptons que sur nos autorités, ne comptons que sur notre armée. Le reste là, c'est vraiment à mettre aux oubliettes parce que c'est vraiment de l'hypocrisie générale que nous sommes en train de vivre actuellement avec cette crise que nous connaissons chez nous dans la province du Nord Kivu. Et dans ce sens, nous allons organiser toujours des manifestations pacifiques parce que nous sommes vraiment esclaves de la lutte pacifique, de la lutte non violente, jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de cause. Certainement, oui, la guerre, elle est longue, comme l'avait dit notre héros, Musée Laurent Désiré Kabila. La guerre, elle est longue, mais nous finirons toujours par vaincre cette guerre et ça retournera là où, de là où elle est venue. Voilà. Alors, comme vous avez, en tout cas presque, dit, alors on va se quitter par un message que vous allez lancer à nos vaillants militaires, en fait, FARDC, nos militaires
qui se battent jour et nuit dans les sébites, de défendre les Congolais, voilà, et les pays en général. Les messages de soutien au FRDC. À nos FRDC, nous leur disons de ne pas rester distraites, de ne pas se confier, c'est de ne pas se fier à toutes les résolutions qui ne cadrent pas avec la protection de l'intégrité territoriale. Nous, comme population, nous ne pouvons pas manquer à manifester notre sentiment de soutien. Oui, nous sommes là, nous allons continuer à soutenir nos FRDC et à nos FRDC de pouvoir reprendre cet avantage, parce que c'est vraiment un avantage que nos forces loyalistes doivent capitaliser. Lorsqu'il y a vraiment une bonne complicité entre la population et l'armée, nous sommes rassurés que nous allons vaincre cette guerre. Et aussi, nous rappelons, lorsque l'armée rwandaise est en train de progresser, est en train de gagner des localités, quelque part, ça est en train de ternir, okay, cette confiance entre la population et nos forces loyalistes, parce que la population aura tendance à croire que nos FRDC ne font rien. Alors, c'est dans ce sens-là que nous disons à nos forces loyalistes de pouvoir jouer avec cette opportunité qui est offerte par la population. Donc c'est vraiment une passe d'or que la population est en train d'offrir à nos voyants militaires, et il faudrait que nos voyants puissent capitaliser cette complicité, okay? Parce que la population, elle est là, elle ne fait qu'accompagner toutes les actions de nos forces loyalistes. Et c'est par là même, je rappelle, partant des rôles de la population de SAC a réussi à mettre la main sur 11 infiltrés rwandais qui étaient déjà dans la cité de SAC. Vous comprenez, c'est vraiment quelque chose. Merci. À encourager. Merci. Donc l'armée doit capitaliser cette complicité qu'il y a déjà entre la population et elle qui est en train de défendre l'intégrité territoriale. Merci. C'est par ces messages placides que nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là. Donc, et surtout d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est plutôt nous qui vous remercions. Merci, mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Nous vous fixons rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Bye bye.